C'est bon là? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me fonds pas dans le décor là? Si, peut-être un peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une palette 3 looks avec la Nude Obsession Rich de Huda Beauty. C'était dans les palettes que vous m'avez demandé de regarder, de tester, et du coup, je sais que c'est pas la palette la plus hype du moment, mais écoutez, les soldes, c'est à ça que ça sert, d'avoir des revues en retard et de se dire, ouais, finalement elle me tentait bien cette palette, tu vois, ou le contraire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, bon c'est ça. Donc on va faire 3 looks avec ça. Je vais essayer de faire quelque chose de festif. Et avant tout, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Amandine. Merci Amandine de faire partie de la famille. Cette vidéo, elle est pour toi. J'espère que tu aimes la Huda Rich. Et merci de contribuer et merci de faire grandir la chaîne et de me laisser le temps de le faire. Des vidéos tous les jours, ça se fait pas en 15 minutes. Donc c'est grâce à vous que je peux continuer à le faire et ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de vous parler et de communiquer avec vous tous les jours. Donc merci énormément. Si vous voulez faire comme Amandine, je vais vous laisser le petit i qui va vous envoyer directement chez Patreon si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous ne serez jamais obligé, vous aurez toujours le même contenu, c'est juste que vous avez du bonus si vous êtes chez Patreon. C'est tout. Si t'en veux plus, c'est là-bas que ça se passe. Passons à la roue, qu'est-ce qu'elle va nous demander? Je sais, quand j'ai une couette et je parle comme ça, je n'y peux rien. Bonjour. Ah ben naturel, naturel it is. Je suis prête, on peut faire du naturel avec ça je pense. On peut faire naturel? Tu crois? Je sens que quelqu'un va monter sur ma table. Ça qui fait rien. Ok, je suis prête. Je vais commencer avec cette couleur là. C'est tellement beau. Je vais appliquer cette couleur métallique juste ici avec ce pinceau de Royal & Nickel, je crois. Non, aucun nom. Super Shader. Je vais essayer avec le pinceau pour le moment, puis après ça, je vais y aller au doigt, je pense. De toute beauté. Plus ça va, plus le soleil entre dans la pièce. L'hiver ici, il fait jamais gris, il fait toujours super soleil. Là, en plus, il n'y a plus de neige. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup... quand il y a de la neige, c'est pire encore parce que c'est tout blanc et ça reflète partout. Okay. Je vais appliquer le reste au doigt. C'est juste dingue, c'est trop joli. C'est naturel, on passe au teint. Je reviens dans un tout petit instant, puis on a quelques nouveaux produits à essayer, donc on va les essayer ensemble. Attention. Alors, j'ai fait mon teint, il me reste... j'ai ce crayon que j'ai pas utilisé encore. Je voulais le mettre en ras de cils et estomper un petit peu. Un petit peu. C'est un crayon de Colourpop qui s'appelle Charmer. Faites attention, il se casse facilement. Il se peut que ça se casse. Je vais estomper avec ce pinceau de Urban Decay. Non, c'est Anastasia Beverly, excusez-moi. Et je vais prendre la première couleur qu'on avait ici. Mets un petit coup de mascara. Ensuite, je vais prendre mon highlighter. Il est nouveau. C'est un highlighter de ELF. Je vais prendre ce petit pinceau de Real Techniques. C'est subtil mais c'est beau, j'aime bien. C'est le genre de highlighter avec lequel vous pouvez pas vous tromper, tu peux pas trop en mettre, ça c'est cool aussi. C'est la préférence. Je vais prendre le même highlighter, je vais le mettre dans mon coin interne.
J'ai envie de mettre un petit peu ce highlighter là sur tout mon visage, Hourglass. Juste pour unifier un peu mon visage. Ok, pour les lèvres, j'ai un gloss nude qui s'appelle Ménagerie. C'est un espèce de rose pâle avec peut-être des petits shimmers dorés à l'intérieur. J'aime beaucoup ce genre de gloss. J'aime bien quand c'est clair, nude, semi-transparent, mais très juicy. C'est mon style. Voilà pour le look numéro 1. J'espère qu'il était assez naturel à votre goût. Et je vous reviens avec le nouveau look. Hey! C'est Noël, c'est Noël. J'espère que vous me verrez ça avant Noël. Je pense, hein, normalement oui. Je vous approche un petit peu. J'ai changé mes ongles. J'ai mis les kiss. Vous savez ce qu'on met avec une gommette là? Ça fait très... je suis en pleine forme. Pouvez-vous le croire? Ça faisait longtemps. Ok, passons à la roue du make-up. Ils vont nous aider à choisir. J'ai bien aimé le make-up d'hier. Ça a bien tenu, le foil et tout ça. C'est très cool. C'était un autre look pour moi. Mais j'aime bien. C'était presque sophistiqué. Smokey Eye! C'est parti. Pelouise. Notre amie. Je pense que je l'ai depuis quand? Je sais pas. Je suis juste rendue à la moitié. Ça finit jamais. Hein. Je sais pas ce que les gens ils font avec le baril, mais... Faut ce que vous voulez avec, hein. Faut vous baigner avec. Hier et avant-hier, on a regardé les bronzés font du ski. Good times. Ça se démode pas, hein. Limite, ça revient même à la mode. J'adore. C'est notre tradition des fêtes avec Mathieu. Il y a ça, le Père Noël est une ordure. Cette année, on va intégrer OSS 117. Mathieu veut regarder Die Hard. C'est bien mieux comme ça. Oh oui. Oh, qu'est-ce que c'est professionnel. Ok. Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Je vais prendre ce pinceau de l'Isoitier qui pourrait estomper. Et je vais prendre une couleur de transition qui sera... Est-ce qu'on a besoin de couleur de transition pour un maquillage? Oui, peut-être. On va la prendre quand même. Je vais prendre celle du milieu. Ces couleurs m'inspirent tellement. Ok, ensuite, je vais appliquer. Je suis toujours coincée à rendu là. Je vais prendre la prochaine couleur, Chimeli, celle-ci. Je vais la mettre dans le... la partie du milieu. Tellement, mais tellement beau. Je l'appuie toujours au pinceau pour comme trouver la place. Et après ça, je l'applique au doigt. Parce que si je l'applique direct au doigt, je sens la catastrophe se pointer. Et vous me connaissez. Hein. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Ensuite, je vais essayer de pas m'essuyer sur moi-même. Parce que aujourd'hui, j'ai mis mon jean avant. Je vais prendre la 217 de MAC et je vais prendre la couleur la plus foncée. C'est pas très poudreux. Hein. Je vais prendre un plus petit pinceau de Colourpop, le E3. Et je vais prendre cette couleur foil ici et la mettre dans mon coin interne. J'ai encore pris le pinceau qui prélève rien du tout. Ce pinceau ne sert à rien. Faudrait une couleur de coin interne, mais je trouverai par la suite. Juste un petit peu estompé. Je vais faire mon teint. Je reviens pour la suite. On a un highlighter à tester. Et oh tiens, ça je pourrais mettre ça en coin interne peut-être. J'ai un crayon. Est-ce que ça marche? Pas mal, on va mettre ça tout à l'heure aussi. De Kiko. Attention.
Alors, j'ai mis dans ma muqueuse ce crayon magnifique de Marc Jacobs qui s'appelle Glam Jam. C'est un espèce de bordeaux avec des petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je vous le recommande. Si vous le trouvez, attrapez-le. Je vais finir mes yeux avec vous et prendre la couleur la plus foncée de la palette, ici. Il faut que je vous dise, le fard, ici un petit peu, les fards sont un petit peu mous à l'intérieur et du coup, même quand ça s'émiette un petit peu, ça en fout pas tout. Voilà, donc en mettant mon primer, j'avais du rouge sur moi, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre le fard de Kiko et je vais le mettre en coin interne. Comme suit. Je pense qu'il a même pas besoin d'être estompé tellement. Il est cool. Sympatoche. Ça c'est fait. J'ai un highlighter stick ici qui s'appelle Fly. Oh oui. Je vais prendre une stippling brush et je vais. C'est comme ça que j'aime l'appliquer. Oh, c'est beau ça. Toute beauté. Pour les lèvres, j'ai soit un rouge à lèvres orange qui ne va pas faire avec, soit un gloss nude. Gloss nude, c'est bon ça. Ça s'appelle Wham. C'est plein de paillettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah oui, c'est la collaboration de L'Oréalie et... Ouais, je pense qu'il est périmé, tout est intense, j'aime pas tellement. Alors, j'ai mis Enchanted One et Wham par-dessus. Ça va, mais je pense qu'il... J'ai mis du temps à le mettre. Et il est plus bon. Bref, c'est pas grave. J'espère que ce look t'a plu. Si oui, dis-moi si ça t'a plu ou pas. Ou si tu préfères celui d'avant ou celui d'après. Attention, je te laisse celui d'après, attention. Ah, suite et fin de cet épisode. Attention. J'ai mis un chandail de Noël. J'ai attendu toute l'année pour ce moment. Bon, je vous approche. Ce qui ne veut pas vous faire traîner pour rien. Attention. Est-ce que je suis assez exposée? Je pense que oui. Ok, alors. Pélouise. Après ça, nous demanderons à notre amie Larou. Ok, Larou, c'est à toi. Suivant. All mat. Mais c'est bien triste. Il y a des couleurs foil à l'intérieur. Bon, il y a deux mats que j'ai pas utilisés. C'est celui-ci et ces deux-là. On peut faire quelque chose avec. Mais je vais tricher. Je vais tricher et je vais mettre le dernier foil parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ok. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? On faisait un smokey eye inversé. Tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être, mais je sais pas. C'est-à-dire, c'est de foncer à clair. Mais au lieu que ce soit comme ça, ça va être, vous allez voir. Je prends ce pinceau de Royal Lincoln, le numéro C465. Et je prends la couleur qui est foil ici. Que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Tout d'abord au pinceau et après au doigt. Mmh. Ouh. Délicieuse couleur. Je vais prendre ce pinceau de Zoeva, le numéro 228. Et je vais prendre la couleur marron. Qui est juste là. Et la mettre comme transition. Non, comme couleur de cuisse. Et je prends un pinceau un peu plus fluffy, l'estompeur de Personnel, et je prends l'espèce de rose ici que je vais mettre comme couleur de transition. Bien estompée. Parce qu'elle est quand même assez foncée.
C'était simple, c'est ça. Je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant. J'ai un highlighter à tester de Luxie Beauty. Tiens, j'ai un eyeliner pailleté qu'on pourrait peut-être mettre en bas, je ne sais pas, on va voir. Je reviens. J'ai mis un crayon violet dans la muqueuse. Je vais finir le coin, pas le coin, mon dessous d'œil, le ras de cils. Je vais prendre ce pinceau plat de Sephora et prendre cette couleur super foncée. Et appliquer ça ici. Ensuite, je vais prendre une pencil brush et je vais prendre la couleur celle-là et faire estomper plus bas. Je vais prendre un pinceau comme ça, un tout petit peu plus fluffy, et prendre l'autre. C'est le pinceau quoi? E9. Celui d'avant c'était le E5. Les deux de Colourpop. Je prends un pinceau avec rien dessus et je vais estomper le tout. Voilà. J'avais des petites paillettes violettes qu'Anne-Marie m'a donné. Je vais mettre un petit peu ici. J'ai aussi un Super Shock Shadow dans les tons de jaune. Peut-être qu'il serait beau au coin interne aussi. C'est la couleur Here We Go Again, ultra métallique, comme ceci. Ce pinceau de BH Cosmetics, le 11. J'avais un highlighter. J'ai peur qu'il soit un petit peu foncé quand je l'ai choisi. Je sais pas. J'ai choisi en ligne. J'ai pas vu de swatch. Je pense qu'il va être très foncé. Écoutez, je vais l'essayer, mais en highlighter plus bas. En bronzer topper peut-être. J'en ai déjà mis un. Hi, il y a un tank. Oui, en effet, pourquoi j'ai pris ça comme highlighter, j'en sais absolument rien. Pour moi, ça ferait plus un bronzer, pour vous dire. Oh boy! C'est pas une moche couleur, hein. C'est une bonne texture et tout, mais c'est pas la faute de la marque, c'est ma faute à moi. Je me suis trompée. Une fois un gloss. J'ai celui-ci, toujours le orange. Est-ce que ça ferait beau aujourd'hui l'orange? Oui. Hein. Ça fait toujours bon l'orange, je veux pas avec ça. J'adore cette couleur, elle est trop belle. J'ai un gloss qui s'appelle Finesse. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi iridescent. J'ai un crayon à lèvres. Je vais faire ça. Ça s'appelle Faded de Colourpop. Il est beau ce crayon à lèvres. Ça, peut-être que je vais mettre Enchanted One au milieu. Et le gloss. Magnifique gloss. Un des plus beaux. Finesse. Ça doit être un vieux parce que le pinceau est encore en mousse. Maintenant c'est en pinceau. Tu comprends? Je suis sûre que tu comprends. Bon ben voilà les trois looks avec la palette Huda Beauty Rich Nude Obsession. Comment ça s'appelle? Nude Rich. Voilà. J'ai utilisé toutes les couleurs. Il n'y a pas eu de dud. Je les adore tous. Elles sont vraiment super cool. Ça tient super bien. J'adore cette palette. Je vous la recommande à 10 000% si vous ne l'avez pas encore pris parce qu'elle n'est pas nouvelle. Donc, enfin elle est nouvelle. Entre guillemets. De nos jours c'est très relatif. J'ai un truc dans l'œil encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je suis amoureuse des fards comme ça, Huda Beauty. Ces petites palettes mini là sont dans mes top 10 de palettes préférées. Donc je vous la recommande. Je recommande celle-là tout du moins, puisque les autres je ne les ai pas testées. C'est franchement génial.
Voilà, c'était 10 sur 10 Huda Beauty. Si vous avez cette palette, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça plus difficile à appliquer? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile à mélanger ensemble? Je trouve que toutes les couleurs se font bien. Les couleurs sont complémentaires à tout. J'ai adoré cette palette. C'est génial, génial, génial. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelle est la palette que vous avez préférée. Non, la palette. Il n'y en a qu'une. Quel est le look que vous avez préféré des trois? Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir visionné. Si ça tente de t'abonner, clique là. C'est gratuit, ça fait de mal à personne. Ou sinon, tu peux activer aussi la cloche, mettre un like aussi, ça fait plaisir. Je te laisse la vidéo d'hier ici. Si tu ne l'as pas encore vue et que ça tente de passer encore un petit moment avec moi, vas-y. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.